Bonjour à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo blabla, une vidéo tag. J'ai été taguée par Chérinette et ses diamants que je remercie énormément puisque je ne la connaissais pas. Et du coup c'est une jolie découverte. J'ai quand même tenu pendant 1 heure sur sa réponse au tag alors que d'habitude les longues vidéos c'est pas pour moi. Donc bien sûr je suis abonnée. Je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. Et donc elle m'a taguée sur le tag de Céline et Diamante et c'est déjà pas mal, qui est une copine et qui a créé donc pendant mon absence un petit tag participatif où il y a eu plusieurs personnes qui ont posé des questions et voilà, ça donne le tag. Je vais répondre à ce tag sur ma toile rose de Cara Art et je vais faire ce petit carré là. Voilà. Je suis peut-être un peu trop zoomée. Voilà, ce petit carré avec la rose avec vous. Alors, pour tout vous dire, cette vidéo, je l'ai tournée hier soir. J'ai commencé ma vidéo. Au bout de 20 minutes, mon mari qui est pompier a décalé. Et du coup, les jumeaux ont été réveillés, se sont mis à pleurer. Le lapin a tapé sa crise dans la cage. Vous l'entendez de temps en temps puisqu'il est à côté de moi. Mais là, c'était juste impossible. En fait, on n'entendait que lui. Lilou est descendu au moins 2 ou 3 fois me poser des questions. J'ai perdu le fil et du coup, j'ai dit, mais non, bah, c'est bon, poubelle, on recommencera demain. Je suis à demain. Donc, on est le lundi 17. Je vais donc vous tourner ce tag. Mais avant, j'avais envie de vous dire, peut-être que vous avez remarqué que ma chaîne a changé de nom. Julie XB est devenue Julie Diamante en couleur. Alors déjà, je remercie Cécile, Céline, Valérie aussi, à qui j'ai demandé des conseils. Et un gros merci à Céline, puisque quand j'ai choisi Julie Diamante en couleur, je me suis dit, bah non, ça se rapproche trop du nom de la chaîne de Céline, quoi. C'est pas cool. Enfin, voilà, j'en ai parlé. Alors, j'ai pas dit au départ que j'avais choisi ce nom-là. J'en avais donné un autre. Elle me dit, mais non, ce nom-là, ça va pas, ça parle pas. Je lui dis, bah, j'ai pensé à ça. Bah, elle me dit, mais ça, c'est parfait. Et je lui ai dit, mais ça se rapproche quand même de ton nom. Et elle m'a répondu, on s'en fout de moi. Voilà. Ça, c'est Céline. On s'en fout de moi. Donc, je la remercie de m'avoir laissé prendre le nom que, vraiment le nom qui me plaisait. Un grand merci. Et puis, bah, du coup, on va attaquer son petit tag. L'autre petite précision, c'est que ma chaîne a fêté ses 2 ans hier. Voilà. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'avais envie que la chaîne change de nom. Que l'identité me soit propre, qu'on m'identifie, que voilà, j'avais envie de changement. Un nouveau départ après 6 mois d'arrêt, un retour au DP, un retour à YouTube, les 2 ans de la chaîne, je me suis dit qu'il fallait, bon, fallait marquer le coup, quoi. Donc c'est fait. Désormais, je suis Julie Diamante en couleur. En plus, là, une belle couleur rose, non? Je vous ai même pas dit que j'étais équipée avec la petite pince que m'a offert Cécile. Et puis, j'ai aussi mon stylet. Alors, pour le plateau, j'ai un plateau semblable. Enfin, un plateau tout simple, comme ça. Parce que les plateaux que j'ai... Enfin, j'ai 2 plateaux de chez 3D Ariel. Et en fait, je ne peux pas les utiliser quand j'utilise des boîtes tic-tac. Parce que l'embout ne convient pas. Ah, ça saute. On attaque le tag. Parce que si Chérinette, elle a mis 1 heure à répondre, je ne vous raconte pas, moi qui suis une vraie bavarde, combien de temps je vais y passer. La première question, et ben justement, c'est une question de ma copine Val et ses loisirs. Qui a demandé en même temps que Marie-Claude, si tu devais arrêter définitivement tes loisirs créatifs et n'en garder qu'un seul, lequel ce serait et pourquoi? Pourquoi? Alors déjà, je ne vais pas faire une réponse comme toi, Val. Hein, moi, je vais vraiment en garder qu'un, parce que je l'ai accusée de tricher sur son tag quand elle a répondu.
Je ne garderai que le DP, puisque oui, je fais un peu de colo, oui, je fais un peu de broderie, je fais de la peinture au numéro, mais clairement, c'est le DP qui me détend le plus. C'est le DP qui m'a le plus manqué pendant ma. Oh, bah, décidément, ils ne veulent pas se prendre par trois, ceux-là. C'est vraiment le DP qui m'a manqué. Donc, ce serait le DP, parce que c'est celui, comme je disais, qui me détend le plus. Qui me permet le plus de me vider la tête, qui me permet d'avoir l'impression de vraiment prendre du temps pour moi. Donc, ce serait le DP. Et voilà, monsieur étoile qui fait sa crise. Question 2. Si on te propose de partir dans les îles très loin avec pour condition, là tout de suite, que fais-tu? Qu'emportes-tu? Qui avec toi, sachant que tu n'as le droit qu'à une seule chose ou personne, top chrono, je reste. Je ne pars pas. Je suis sûre que vous en étiez douté. Comment voulez-vous? Avec trois enfants déjà que j'en emmène qu'un seul. Et quand bien même ce serait juste partir pour des petites vacances, c'est bon. On va attendre un petit peu. Hein, les jumeaux, ils ont que 3 mois. Pour l'instant, alors je ne vous dis pas que je ne les ai pas déjà laissés. Je les ai laissés sur un week-end, je les ai laissés quelques nuits à ma soeur qui me les a pris très gentiment pour que je puisse me reposer pour dormir une vraie nuit quand ils ne faisaient pas leur nuit. Donc au tout début, hein, je crois que c'est le premier week-end où je suis sortie de la mat, ma soeur gardait les jumeaux. Mais je suis pas capable de partir loin. Ma soeur, elle habite à 500 mètres de chez moi. Et quand je suis partie loin, le plus loin qu'on a été, donc, c'est quand on m'a emmené Loulou à Disney. Donc on n'était encore pas très loin. Hein. Non, je suis pas. Je ne me sens pas. Je peux pas. Je ne pars pas. Je reste ici. Question 3. Si une personne te demandait de la conseiller. Oh pardon. Alors j'ai pas dit que c'était une question de Sandrine la précédente. Et celle-ci, c'est une question de Nathalie. Si une personne te demandait de la conseiller à monter sa chaîne, le ferais-tu? Oui. Mais. Est-ce qu'il y a un mais? Monter sa chaîne, je veux bien donner des conseils de néophyte. C'est-à-dire que je vais dire oui, bah tiens, là, j'aime bien ce que tu as fait. Bah non, là, t'as. On t'entendait pas. Ça m'arrivait hein, dans les débuts. Genre, je sais plus si c'est Céline ou Azaz. Où il y avait une vidéo où on n'entendait pas. Enfin, c'était, il y avait trop de musique. C'était bienveillant. J'ai dit, bah tiens, là, on t'entend pas. Je trouvais ça dommage. Donc, je vais donner des conseils comme ça. Après, pour ce qui est référencement. Collection des abonnés. Alors déjà, je suis mal placée parce que je suis une toute petite chaîne. Et deuxièmement, bah, j'y connais rien parce que ça m'intéresse pas. Je suis pas la reine de la chasse aux abonnés. Je suis pas la reine de la chasse au partenariat. Donc si c'est ça qu'on recherche comme conseil, bah c'est loupé quoi. Je serai pas à même de conseiller. Alors après, oui, hein, je disais, avoir un avis extérieur, avoir un avis de spectateur, avoir après quelques petits conseils de montage, je peux, parce que je m'amuse avec mon petit logiciel. J'avais démarré en même temps que Cécile, donc de la chaîne Kikou et ses diamants. Non, Kikou et le diamant painting, pardon. Et eh bien, voilà, on se donnait des conseils toutes les deux. On se disait, bah tiens, là, c'était bien ce que tu as fait, bah là, j'ai bien aimé ton montage, bah là, tu avais un problème de lumière, bah tiens, regarde, enfin voilà, on s'est beaucoup aidé au tout départ, toutes les deux. Enfin, on s'aide encore maintenant, hein. La preuve, j'ai envie de changer de nom, qui j'appelle au secours, bah j'appelle Cécile. Donc, voilà, c'est se donner des conseils, pourquoi pas. Moi, j'aime bien partager, et je trouve que justement, ce genre de choses, et ben ça fait partie du partage de la joie du partage de YouTube et ça fait partie des choses intéressantes dans ce truc-là parce que finalement ce qui est le plus intéressant ben c'est justement le partage quoi. Donc juste aider quelqu'un à monter sa chaîne
ça fait partie du partage. Et puis si la personne elle arrive à totaliser 1000, 10 000 abonnés, bah, je serais trop contente pour elle. Je me dirais pas, bah mince, je lui file un coup de main et moi je suis dernière. Non, je m'en tape en fait. C'est tellement bien. Enfin, oh là, il va m'énerver. Hop. Donc, ouais, je le ferai, mais à ma petite hauteur, quoi. Ma petite hauteur avec mon petit regard de néophyte, mon petit regard de spectatrice. Question 5 de Virginie. Diamants et fils, etc. Ah non, j'oublie une question 4. Comment vis-tu les discriminations qui peuvent se passer entre youtubeurs? Je m'en contrefous. Je suis pas dans ces histoires. Je ne m'y intéresse que peu. Après, il y a toujours des histoires partout, quoi. Donc, c'est les cancans de voisinage et tout, non? Donc, non, je m'en fiche, en fait. Je m'en occupe pas. Je vais pas vous dire que j'ai pas mon opinion sur la question. Mais voilà. Les histoires ne me concernent pas. Donc, je n'ai pas à me prononcer dessus. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Si je suis pas concernée, je m'en mêle pas. Et là, en l'occurrence, je ne pense pas avoir des soucis avec qui que ce soit. En plus, j'étais pas là, les gars. Donc, forcément, j'ai dérangé personne. Question 6. 5. Ah, bah, décidément, j'ai envie de sauter une question. Question 5 de Virginie, Diamant, Phil, etc. Peux-tu nous raconter un moment gênant, embarrassant ou drôle que tu as vécu? Oh là là, mais il y en a tellement, tellement, tellement. Je suis une gaffeuse de première. Donc, c'est un peu compliqué d'en trouver qu'un seul. Parce que je suis. Ouais, voilà, comme je dis, je suis une gaffeuse. Alors, il me faudrait ma petite poubelle à diamants. Hop. Elle est là. Donc, ouais, je disais, je suis une gaffeuse de première. Je vais être du genre. Croiser un pote dans la rue, à lui dire ah bah comment va ta femme, machin, bah on est divorcé depuis 2 ans. Ah, loupé. Ou alors, enfin je sais pas, mais c'est plein de trucs comme ça. Donc, il y en a tellement, je suis tellement gaffeuse. Donc forcément, là, je peux vous assurer que c'est assez embarrassant hein, quand vous dites ah bah on n'est plus ensemble ou oups. Après. D'autres moments gênants, mais je vous dis, là dans l'immédiat, voilà, j'ai celui-ci qui me vient en tête parce que c'est pas si vieux. Après, ouais, je vous dis, je mets les pieds dans le plat à chaque fois. Je suis vraiment du genre, dès qu'il y a une gaffe à faire, c'est pour moi. Voilà. 7, hein? Une question de ma petite. Ah, mais non, mais à chaque fois, je saute une question. 6, Christiane. Excuse-moi, j'avais sauté ta question. Mais pourquoi je veux sauter tout le temps les questions ce soir? Christiane demande, sur quel site préférez-vous acheter des DP pas trop chers et de bonne qualité? Moi, j'aime bien GBFKE. J'aime bien GBFKE. J'aime bien aussi DP Club et One Day Saving. C'est mes trois boutiques chouchou. Ou voilà. J'aime bien leurs DP, j'aime bien leurs produits. J'aime bien, ils sont à des prix plus que corrects. Donc cette fois-ci, question 7 de ma petite Kikou. Avec le recul, quel achat d'épée regrettes-tu? Les premiers achats? Je vais regretter d'avoir acheté certaines toiles parce que elles étaient, enfin, le motif est trop petit.
Je vais regretter. Ouais, c'est surtout ça en fait. Il y a aussi deux toiles qui sont dans mon stock. Je sais qu'un jour je vais les faire, mais j'ai peur. Je vous mettrai des petites photos. J'espère que les miniatures sont pas trop moches parce que je vais prendre en photo la petite miniature. J'ai cette toile de la fée Clochette et cette toile du singe en noir et blanc. Enfin, non, avec fond noir et plein de couleurs. Que j'ai pris chez des vendeurs AliExpress, mais au pif. Ça faisait partie de mes premiers achats d'épée. Je trouvais les images vraiment très belles. Sauf que on est d'accord, il n'y a rien de pire qu'un fond blanc. Enfin, si, il y a le fond noir. Voilà. Sachant que c'est des diamants carrés pour les deux. Donc, ça va être sympa. Après, peut-être que j'aurai une bonne surprise. Hein, mais pour l'instant, je ne les ai pas commencés. J'ai pas osé me lancer. On verra. On verra. Mais peut-être que c'est des achats que je regrette. Alors, ce n'est pas que je regrette l'image ou c'est je regrette le fait de les avoir pris chez un vendeur quelconque. De ne pas avoir tapé chez Home Fun. Alors, je ne sais pas si AQSD existe encore, on n'entend plus parler. Mais voilà, de prendre chez un vendeur que j'ai testé. À l'époque, je n'avais pas testé. Donc, forcément, je ne peux pas savoir. Ça fait partie ouais, des premières commandes de mes premières toiles. Il y avait aussi la vague que vous avez vue dans mes encours. Elle fait partie de ce lot-là, des toiles que je regrette d'avoir achetées. Ce lavac, c'était quand même une toile à... Ouais, c'est une toile que j'ai payée plus de 25 euros à l'époque. Et voilà. Passer à la question suivante. Hein, Kiko, tu cherches toujours pincer là où ça fait mal, toi. Nos regrets. T'es pas mignonne. Question 8. Mélène, quel métier aurais-tu aimé faire quand tu étais jeune? Institutrice. J'aurais adoré être institutrice. Je dis pas que mon rêve d'être instit est complètement écarté. Faut que je me renseigne, puisque il y a une certaine époque où tu pouvais tenter le concours de l'UFM quand tu avais trois enfants. Il se trouve que les jumeaux tombent bien sur ce coup-là, non? Donc, je sais pas. Je verrai. Après, bon, je suis AESH. On est bien loin du métier d'institutrice. C'est pas du tout le même job, mais c'est en école. Je travaille quand même en école. Je suis quand même avec les enfants. Je reste. Ouais, on reste dans le milieu scolaire. Mais clairement, c'est un de mes plus grands regrets. De ne pas avoir persévéré, de ne pas avoir été à la fac. De m'être dit, allez, c'est bon, je lâche, je veux gagner des sous, je veux rentrer dans la vie active. Parce que c'était vraiment, vraiment le métier que je voulais faire. Petit moment de nostalgie. Question 9, Sylvie Jourdan. Si tu devais aller travailler à l'étranger, quel pays choisirais-tu et pourquoi? Eh bien, pourquoi pas l'Espagne? L'Espagne ou l'Italie? Mais attention, pas n'importe où. Hein. L'Espagne ou l'Italie, là où il y a la mer. Là où il y a du soleil. Pourquoi l'Espagne ou l'Italie? Peut-être par facilité, parce qu'à l'époque, j'avais quelques petites notions d'italien et d'espagnol. J'ai fait ces langues au lycée. Et après, il y a un pays. Oh, il y en a quand même un. Alors, s'ils pouvaient se mettre à parler français en Écosse, je crois que ce serait l'Écosse. En plus de ça, je rejoindrais ma meilleure amie. Ma meilleure amie du collège qui vit là-bas. Et d'ailleurs, tiens, on est le 17, c'est son anniversaire aujourd'hui. Petite parenthèse, hein, parce qu'elle ne regarde pas du tout mes vidéos. Mais ouais, je pense que l'Écosse me tenterait bien. Bien réfléchi, ce ne serait pas l'Espagne ou l'Italie, ce serait l'Écosse. Je trouve que les paysages sont tellement beaux. Bon, arrêtez de vous moquer. Ok, le soleil, je peux toujours le chercher là-bas, je ne l'aurai pas. Hein. C'est ça que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes méchante. Question
Question 10 de Vintage 1923. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Une seule chose. On peut vraiment changer qu'une seule chose. J'aurais envie de vous dire mon manque de confiance en moi. J'aurais envie de répondre mon physique parce que je ne m'aime pas. Ouais. Faut que je choisisse un de ces deux trucs-là. C'est un peu compliqué. Donc du coup, ben voilà. Je ne sais pas. Alors je me dis que peut-être si je changeais mon physique, j'aurais plus confiance en moi. Ouais, je suis pas persuadée non plus là-dessus. Ouais. Alors je vais utiliser le joker à la Valérie en fait. Je donne deux réponses. Deux réponses en une. Hein, on va dire deux. Ouais, je garde ces deux choses-là. Mon physique et mon problème de confiance en moi. Mélissa de Mélissa.croix et co. Plus Chérinette. Bah tiens. Plus Marina de Marina et ses diamants. On me demandait si tu devais te débarrasser de toutes tes réalisations, des pépins, croix, etc. Sauf une, laquelle garderais-tu? Je crois que je garderais ma toile Harry Potter. Pour l'instant, hein, de toutes celles que j'ai. Alors, tout simplement parce que c'est une des seules que j'ai accrochées. Elle est dans ma chambre. Je vous mettrai une photo. Je suis absolument fan de cette toile. C'est une de mes premières. C'était ma première home fun. J'avais galéré avec tout ce blanc. Il y a une vidéo d'ailleurs, dans les premières vidéos sur la chaîne, de la réalisation de cette toile. Et ouais, non, je pense que je garderai vraiment ma toile Harry Potter. J'aime tellement cette illustration que j'avais même songé à le décliner en tatouage. Donc, c'est clairement ma toile Harry Potter. Question 12. Clara de Clara DP 1988 et Marie-Claude demande quelle compagnie de diamant painting t'a déçu et laquelle t'a surprise par sa qualité? Alors, des déceptions. Il y en a beaucoup sur AliExpress. Donc, j'ai pas de nom en tête, mais il y en a pas mal. Après, une qui m'a vraiment déçue, je ne sais pas si elle existe encore, c'était IBA. IBA, ils m'ont déçue. Alors, pas forcément que par leur qualité. C'était par le fait que on avait mis en place. Bon, on avait un partenariat, mais à côté de ça, on avait une très très bonne entente avec cette boîte. Ils m'avaient fait je sais pas combien, enfin j'ai passé je sais pas combien de temps à leur faire justement des retours sur leur site internet, à leur faire des retours, mais juste voilà, on pense à sortir ce produit-là, t'en penses quoi? On pense sortir une gamme comme ça, t'en penses quoi? Enfin voilà, j'ai passé des heures et des heures à papoter avec eux, à les conseiller, à leur donner mon avis. Et un jour, ils ont reçu un mail, donc je ne saurais jamais de qui ça venait. Ils ont reçu un mail de quelqu'un qui leur disait qu'ils devraient arrêter de travailler avec moi parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés, que ma chaîne était bof et que voilà, ils devraient remettre notre partenariat en question. Et ils l'ont fait. Enfin, j'ai pas compris. C'est-à-dire que bah ouais, ils ont décidé que suite à ce mail, notre partenariat était caduc, notre communication était caduque et que bah finalement j'en valais pas la peine. Donc voilà, out. Et là ouais, j'ai été vraiment très très déçue. Parce que c'est le comportement. Le comportement et qui m'envoie pas de produit, je m'en foutais. Mais c'était le fait d'avoir autant perdu de temps à discuter avec eux, à guider, à mettre en place des choses pour se retrouver jeté du jour au lendemain comme un torchon sale. Et en plus, un torchon sale qu'on ne peut pas laver, quoi. Vraiment, le torchon qu'on fout à la poubelle. Ouais, c'est franchement, j'ai été hyper déçue. J'ai été hyper déçue, j'ai été piquée au vif. Parce que, bah, comme je disais, manque de confiance en moi. Donc, je me suis demandé longtemps qu'est-ce que j'avais fait de mal.
parce qu'ils répondaient plus à mes mails, en fait, tout simplement. Ils m'ont même pas dit on a un problème avec toi. Non, ils répondaient plus à mes mails du jour au lendemain. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi? Surtout qu'en plus, le mail auquel ils n'avaient pas répondu, c'était une question qu'ils m'avaient posée. Un produit qu'ils voulaient sortir et ils voulaient mon avis sur ce produit. Donc, je leur avais donné et pas de retour. Enfin, c'était vraiment très bizarre. Et à force d'insister, ils ont fini par me dire qu'ils avaient reçu ce mail. Et j'ai appris par la suite qu'il y avait d'autres partenariats que j'avais à l'époque qui avaient reçu ce mail. Et ben, je peux vous dire que ça fait bizarre. Mais voilà. Donc, c'est la compagnie qui m'a déçue le plus de par leur comportement. Celle qui m'a surpris par sa qualité. Bah moi, ma compagnie chouchou, ouais, clairement, c'est Caraart. La première fois que j'ai commandé chez eux, j'étais super contente. Quand ils m'ont proposé les avant-premières, justement, rose, c'est une toile que j'ai eu en avant-première, j'étais super ravie. Quand je suis revenue, j'ai eu un super accueil. De la personne avec qui j'étais en contact, quand elle a vu que je repostais des vidéos, elle m'a recontactée, et franchement, avec un message adorable. Et en plus, j'ai vu qu'elle regardait vraiment mes vidéos, puisqu'elle me parle de ma petite assistante, parce qu'elle m'a félicité pour les jumeaux. Enfin voilà, c'est quelqu'un avec qui ouais, on papote un petit peu, et ça fait plaisir. Et du coup, leur qualité de diamant, j'ai beaucoup aimé. Et ça me fait penser à une autre compagnie qui m'a déçue, c'est Crafties. J'étais mais déçue quand j'avais commandé. J'avais eu deux toiles de Hélène Lescotte chez eux. Des illustrations que j'adore. Et qu'est-ce que c'est moche, quoi. Quand je les ai reçues, j'étais dégoûtée. Les couleurs, enfin. Oh ouais, eux ils m'ont déçu parce que en plus je trouve que c'est assez cher. Donc Crafties, ça faisait partie des compagnies qui m'ont bien déçu dans le mauvais sens du terme. Et après, celle que j'aime beaucoup travailler. Alors j'ai une toile d'ac que je n'ai pas encore travaillée, donc je ne vous dirai pas la qualité. Après, je travaille sur une première version d'Oraloa. Version qui a été assez critiquée hein, pour la fille au papillon. Donc ouais, c'est une première version. Et franchement, bah moi je trouve qu'il n'y a rien à dire sur une version 1. Donc j'ai hâte d'attaquer parce que j'ai deux toiles en version 2, une ronde, une carrée. Bah j'avoue que j'ai hâte de m'y mettre pour voir parce que je suis sûre que c'est pareil, je vais être surprise en bien. Et après, dans les petites compagnies, on va dire que. Wendy Sévigne m'a surprise aussi en bien par rapport à la qualité. Alors, je parle du rond et des objets. Hein. J'ai été agréablement surprise et aussi de leur service après-vente. Puisque j'ai eu des problèmes de diamants, ça a été rectifié super rapidement. Donc voilà. C'est les compagnies qui m'ont surprise en bien ou en mal. Ensuite, je sais plus où j'en suis. Question 13 de Marie-Claude. Rond ou carré? Les deux? J'ai le droit de dire les deux? Non, mais en fait, c'est vrai en plus. Moi, j'aime autant bosser du rond que du carré. En général, j'ai toujours un projet de chaque en cours. J'adore faire les deux. Après, je choisis en fonction du. Alors, sur des sites comme Carhartt ou Raloir, où on a le choix, je vais clairement choisir en fonction du layout. C'est vraiment ça qui va me faire pencher la balance. Il y a des fois, je trouve que l'illustration est plus douce ou plus jolie en rond, et inversement, des fois, c'est en carré. Donc, c'est vraiment en fonction de. Alors, en fonction du layout, quand je peux avoir le choix. Et sinon, bon, sinon, peu importe quoi. J'aime autant l'un que l'autre. Par contre, il est clair que je vais tester des carrés chez des petites compagnies. Mais
Mais je reste une adepte de la peau serrée à la Home Fun. Ou là, comme vous entendez le petit diamant qui craque quand on le met, quand on le coince. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les peaux serrées du carré. J'aime beaucoup la facilité du rond. J'ai été très surprise de la pose de Chérinette avec sa règle. Ça m'a donné très envie d'essayer en fait. Jusqu'ici, j'avais toujours eu des mauvais retours de cette réglette. Et quand je vois sa pose et tout, ça me donne envie. À voir. Ensuite, question 14 de Malice et Obise. Serais-tu prête à couper les ponts avec ta famille pour ton homme, ta femme? Non. Non, ma famille est tellement importante que non. C'est clair, il n'y a pas de pièce à y remettre. Question 15 de Nini. Qui t'a fait découvrir le monde du DP? Alors moi, j'ai découvert le monde du DP avec Ornella. Alors je sais pas si elle... Enfin, je sais qu'après, elle avait changé. Sa vidéo était plus vraiment DP. Elle avait un peu changé de style et d'orientation. Je la suis toujours sur Insta de temps en temps. Je vois passer ses publications. Mais elle fait plus. Enfin, je n'ai pas vu refaire du DP ou quoi. Mais c'était elle qui avait un soir voulu tenter, reçu une toile. Elle s'était lancée direct. Et en fait, à la suite de sa vidéo, j'ai passé ma première commande sur Amazon. Et puis voilà, je me suis lancée. Tout simplement. Ensuite, question 16 de Monique, Sylvie, Johan. Travailles-tu? Si oui, où trouves-tu le temps de pratiquer tes loisirs de façon suffisante et quel budget réserves-tu au DP? Je sais pas quel budget je réserve au DP. Là, ça fait 6 mois que j'étais déconnectée, donc j'avais rien à acheter du tout. Donc, j'ai pas un budget que je vais. En fait, à la maison, on a un budget loisirs. Donc, dans le budget loisirs, ça va être aussi bien les sorties. Les restos, les achats, voilà, les achats de style DP. Sauf que tous les mois, ça va changer en fonction des besoins du budget familial, en fait. Donc peut-être qu'un mois, je pourrais mettre alors 100 euros dans le budget loisirs. Attention, je dis bien, j'ai bien dit que c'était le budget total. Je dis pas c'est 100 euros pour le DP. C'est 100 euros de budget total loisirs. Le mois d'après, il y aura zéro. Parce que, voilà, il y a eu un mois où c'était possible, il y a un mois où c'est pas possible. Et puis, s'il y a une rentrée exceptionnelle, ou, enfin voilà, ça va dépendre. Après, oui, je travaille, comme je disais, je suis à ESH, sauf que là, en ce moment, je suis en congé parental. La naissance des jus a fait que. Alors, pour l'instant, je suis en congé maternité. Les jumeaux sont nés donc le 6 janvier. Donc mon congé se termine début juillet, puisque c'est plus long pour des jumeaux. Je prends à la suite mon congé parental, mais sinon je suis à ESH. Et en fait, mon organisation était que, comme en fait je continue maintenant, parce que la journée, forcément avec les enfants, la maison, tout ça, j'ai pas trop le temps. Une fois que tout le monde est couché, donc en général je commence il est 28, ouais, 20h30, 21h, je me fais plaisir et je fais du DP jusqu'à 23h, 23h30. Parfois ça dépasse, mais j'essaye en fonction de là où j'en suis de me dire non, bah là tu recommences pas, là il faut arrêter, là tu repars pas sur. Tu repars pas sur une toile, tu refais pas un carré, tu voilà. Mais j'essaye, c'est ce moment-là où la maison est calme. C'est pour ça que quand je tourne des blablas en général, et ben il fait nuit. Je suis avec la lumière, la petite lampe de bureau et puis la tablette lumineuse parce que c'est le moment où je pratique mon loisir. C'est un moment où la maison. Enfin, tout le monde est à l'étage, couché. Et à l'époque, Lilou était couché, le papa aussi.
Et du coup, bah, c'est mon petit moment. C'était mon petit moment avant et c'est toujours mon petit moment. Et c'est là où je trouve du temps. En fait, j'empiète sur mon sommeil. J'ai un défaut sur. J'empiète clairement sur mon sommeil. Mais tant pis. Hein, il faut ce qu'il faut. Alors, on en était là. Question 17 de Petite Agnès 63. Quel est ton chanteur préféré? As-tu une chanson que tu écoutes très souvent dont tu ne te lasses pas? Je suis une grande fan de Renaud. Alors, l'ancien Renaud. Hein, de tous ses albums. J'étais une très grande fan de Renaud. Mais si je devais en garder qu'un, ce serait Benabar. Et oui. Je suis une très très grande fan de Benabar. J'ai tout, absolument tous ses albums. J'ai vu presque tous ses concerts. Il y en a un où j'avais la place, mais j'étais tellement malade que j'ai pas pu y aller. Et ça reste un énorme regret, même si je sais que j'avais fait plaisir à ma cousine qui avait pris ma place du coup. Mais ouais, j'en ai souffert hein, de ce concert que j'ai loupé. Depuis, j'ai des. Enfin, voilà. Bah, en plus, j'ai une cousine qui. Enfin, une de mes cousines qui partage cet amour pour Benabar. Donc, du coup, c'est notre petit rituel maintenant. Quand on voit qu'il y a un concert ou un album qui va sortir, on peut être sûr qu'on s'envoie un petit message. Et quand on a la date, on la bloque et on y va toutes les deux. Donc, ouais, c'est Benabar. Et après, si. Dans ces chansons, il y en a tellement qui me parlent. Je sais pas si vous connaissez Moins vite. Moins vite, c'est une chanson. Je pense qu'il n'y a pas un seul parent qui ne se reconnaîtrait pas dans cette chanson. Qui dit par exemple, tu les déposes un matin en maternelle, tu les récupères le soir au CM2. Voilà. C'est une chanson que j'aime beaucoup parce que bah, c'est tellement la réalité. Ça passe tellement vite avec les enfants. Après, j'aime beaucoup aussi la chanson Je suis de sel. Parce que. Ah, rien qu'en en parlant, voilà, j'arrive. Je suis de sel qui ne dit jamais non. Mais Marie, couche-toi là, donc tu oublies le nom. J'adore cette chanson. Voilà. J'ai découvert. Alors, je vais reprendre cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai avancé sur la. Sur la toile, étant donné que j'ai parlé pendant à peu près une dizaine de minutes, je pense, toute seule dans le vide, parce que mon téléphone ne filmait plus. Donc, je me suis rendu compte que ça s'est coupé à la question 17, où je vous criais mon amour pour Benabar, où je vous disais que j'aime beaucoup la chanson donc Moins vite, que j'aime beaucoup Je suis de sel. Je parlais également après. Quand ça a coupé, je disais que j'ai découvert Benabar avec la chanson Adolescente lorsque j'étais au théâtre. On avait appris à danser le Madison sur cette chanson et c'était la première chanson de Benabar que j'ai appris à connaître avec mon prof de théâtre qui était à l'époque mon prof de français. Et je disais également que Benabar, je vous mens pas quand je vous dis j'ai vu tous ses concerts. Le premier, c'était encore Benabar et Associés à l'époque. Et je l'ai vu dans une MJC. Donc vraiment une toute petite salle. Question 18. Aimes-tu les sensations fortes et raconte-nous une expérience? Donc ça, c'est une question posée par Delphine. Alors Delphine, si tu parles des manèges, oui, j'adore ça. Je suis très très manège, j'aime vraiment beaucoup ça. Je suis vraiment adepte. Je suis d'ailleurs super contente parce que Lilou a l'air d'aimer ça. Quand on a été à Disney, elle a fait la tour de la terreur. Elle était morte de rire du début jusqu'à la fin du manège. C'était. Ouais. J'avais peur hein. Quand je l'ai mis dans le manège. Je me suis dit, oula, c'est tout bon, tout mauvais. Si elle se fait peur, plus jamais elle remontera dans un manège. Et en fait, elle a adoré. Elle a vraiment adoré, elle a vraiment rigolé, enfin tout ce que vous pouvez. C'était vraiment pour elle un super moment et du coup pour moi aussi parce qu'on a partagé.
Donc je pense qu'elle va partager l'amour du manège de maman parce que papa c'est vraiment pas son truc. Quand il peut éviter les sensations un peu trop fortes, hein, il évite. C'est pareil, on est. Ouais, c'est des trucs tout bêtes, mais ouais, non, vraiment les manèges, c'est mon truc. Par contre, si c'est se faire peur avec les esprits, se faire peur avec des films d'horreur et tout, non. Je suis quelqu'un qui croit énormément aux esprits. Donc du coup, j'y crois et ça me fait peur. Voilà. Donc les sensations fortes du manège, oui, j'aime ça. Les sensations autrement, non merci, pas pour moi. La question 19 de virgule 21, qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter le DP à tout jamais? Bah clairement, c'est si j'avais un problème de santé, que ce soit un problème, on va dire, mécanique qui m'empêche de poser les diamants, un problème visuel, ça pourrait être également embêtant. Voilà, un problème de santé. Mais après. Après, je vois pas de raison en soi qui me ferait arrêter le DP. À part ça. À part si j'étais en incapacité physique d'en faire. Question 20. Quel était ton ressenti en démarrant le point de croix? Je me rends compte que tout à l'heure, je me suis trompée en plus en répondant à la question. Le point de croix. Et bien, le point de croix, j'ai commencé ça il y a très très longtemps. J'ai commencé par le point compté. C'était une ex-tante de mon mari qui en faisait. Et en fait, pour la petite histoire, dans la famille, c'est tous chasseurs. Non, mais j'étais pas des pierres, ok, je suis pour rien. Ils sont tous chasseurs et du coup, les jours d'ouverture, enfin les jours où ils étaient à la chasse, mais qu'est-ce que je me faisais suer. Et il y avait la tante de mon mari qui faisait du point de croix. Il se trouve que bah, du coup dimanche jour de marché, j'ai été sur le marché, j'en ai acheté un, j'ai dit bah apprends-moi, je m'ennuie, donc je vais m'occuper, apprends-moi, j'ai beaucoup aimé, j'en ai beaucoup fait. J'ai par contre un projet qui a commencé depuis 15 ans, que je n'ai toujours pas fini. À l'époque c'était un abécédaire pour ma nièce, ma filleule qui a maintenant donc 15 ans. Je me suis dit que je le finirais pour Lilou. Il n'a jamais été fini pour Lilou. Je me suis dit que je le finirais pour les jumeaux. Il va falloir que je me magne. Je m'en étais débarrassée. Je l'avais filé à la mère d'une copine pour qu'elle le fasse. Il faut que je fasse un point avec elle, savoir où elle en est. Parce que bah, si elle n'a pas avancé, il faut vraiment que je me mette, quoi. Faut vraiment que je me mette. Surtout qu'à l'époque, je ne connaissais pas les petits sites chinois. Je peux vous assurer que cette toile, elle avait pas coûté 2 euros. Question 21, la dernière de Chérinette. Comptes-tu faire des lives? Ben là, la réponse va être très brève, c'est non. Je n'ai pas du tout de live à faire. C'est pas du tout mon truc. Des petites vidéos blabla, oui. Des lives, non. Et maintenant, je m'en vais taguer. Je m'en vais taguer. France, je ne pense pas que tu aies répondu à ce tag. Donc, puisque j'ai décidé de faire le tien, et bien, hop, je te jette là. Je te jette le bébé avec l'eau du bain. Et j'attends tes réponses. Je vais taguer Vierge et ses loisirs, puisque c'est un juste retour des choses. J'ai fait le tag de Pâques pour toi. Et je vais taguer les passions de Lily. Une petite chaîne aussi. Et avec une petite Lily bien sympathique. Donc, histoire d'en savoir un peu plus sur toi, je te tague également. Et voilà. Sur ce, je vais arrêter parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais plus de place dans le téléphone. Il a quand même fallu que je fasse du tri pour pouvoir vous tourner la fin de cette vidéo. J'en peux plus de cette vidéo. J'en peux plus. Entre les interruptions d'hier, la coupure téléphone avec la partie à refaire et tout, non, franchement, je n'en peux plus de ton tag, Céline. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!